Yo soy Sam y tú vas a aprender Photoshop y Lightroom con mí. Moi, quand j'ai mes photos sous les yeux, voilà, j'aime les emmener vers autre chose. J'essaye de créer des ambiances en fait, qui collent au regard que j'essaye de créer aussi dans mes portraits. Et j'essaye de les emmener ailleurs, sortir un petit peu du réel. Très concrètement, l'idée, c'est d'avoir une intention photographique. De se dire, j'ai une photo, et maintenant, quel est le traitement que je souhaite lui apporter. La grande clé de ce que j'ai essayé de proposer, c'est surtout une logique de traitement. Et ça, c'est ce qui manque, je trouve, sur des formations très courtes avec des tutos, où on va être obligé d'assembler en fait, soi-même et d'essayer de réfléchir à, ok, j'ai récupéré ce tuto-là, j'ai cette technique-là qui marche, mais à quel moment je l'utilise? Pourquoi? Est-ce que je la mets avant cette autre technique-là? Comment est-ce que je vais imbriquer ma logique de traitement? Est-ce que je fais ma colorimétrie d'abord ou ma retouche peau d'abord? Donc moi, je vais proposer une solution complète de A à Z avec une logique de traitement et voilà, une réflexion sur comment j'utilise tel outil. Et je vous expliquerai pourquoi je fais telle chose d'abord, telle chose ensuite. Ce qu'on apprendra à faire aussi, c'est apprendre à faire une retouche peau naturelle. Il y a des photos où j'ai pu décider parfois de faire des traitements plus poussés, d'enlever ce naturel, mais parce que c'était un choix esthétique que j'avais décidé de faire ça sur cette photo-là. Je vous montrerai comment le faire, mais je vous montrerai aussi comment faire des retouches assez simples, assez naturelles et surtout avec des outils simples à utiliser. Bonjour, je suis Samuel Bouget, bienvenue dans ma formation.